L'Afrique. Tout est né ici. Les hommes, les animaux, le rythme, les songes et les peurs. Toutes les agressions, brutales, subtiles, camouflées ou indirectes, qu'elles viennent de l'homme ou du monde, sont d'origine animale. Ce temps-là, il y a des millénaires, un aigle a vu un poisson en surface. Il a plongé vers lui, il l'a saisi avec ses serres, comme ses parents attrapaient les marmottes et les lapins. L'aigle pêcheur était né, qui peu à peu deviendra blanc sous le ventre, pour qu'on ne le voie pas d'en bas. Le caracal, félin farouche et solitaire, un des grands tueurs nocturnes de l'Afrique. Il y a 10 000 ans, à Sumer, le dieu léopard était déjà le symbole de la férocité et de la force soudaine, impitoyable. Thank you.
part meurt immédiatement quand il ne peut plus chasser. Les grands koudous. La femelle koudou est une des meilleures mères de la savane africaine. Dès que le petit est né, elle le lèche interminablement, boit son urine et mange ses excréments pour que les fauves ignorent son odeur et sa présence. Les animaux n'ont pas de route précise, ils parcourent l'espace. L'éléphant d'Afrique pèse 7 tonnes, charge à 50 km/h. En général, il s'arrête toujours à quelques mètres et cela suffit pour faire fuir les lions, les buffles et les hommes. Parfois, il ne s'arrête pas. Il accomplit alors des dégâts irrémédiables. Au moment de la naissance, les femelles protègent la mère et attendent, pour repartir, que les nouveau-nés puissent les suivre. Le troupeau entoure en mugissant très bas l'éléphant qui va mourir. Pendant des heures, il essaiera de le relever. Plus tard, tout éléphant qui passera en ce lieu manifestera
manifestera sa peur par de longs barrissements. Pourquoi l'hippopotame vit-il dans l'eau? Parce qu'il a découvert, avant les hommes, le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide, et dans l'eau, il se sent si léger. Un jour, il y a 4 milliards d'années, il a bien fallu que ça commence. Et ce fut par une longue nuit. C'est dans l'océan primitif qui couvre alors toute la Terre que débute la grande aventure. Qu'il soit né du hasard et du désordre, ou bien voulu par une volonté divine, les êtres vivants deviennent les animaux. Thank you.
L'ourson blanc est l'animal qui a le plus besoin de chaleur dans ses premiers jours. Dès la naissance, l'ours blanche construit pour ses petits un igloo dans la neige où elle les tiendra au chaud. Pendant 3 ans, elle veillera farouchement sur eux, car les grands mâles attaquent et dévorent les oursons isolés. L'ours polaire. Sa blancheur le rend invisible sur la glace et lui permet d'absorber la chaleur. Il mesure 2 mètres et pèse 800 kilos. Vivant essentiellement de phoques, l'ours polaire, pour ne pas exterminer son cheptel, se déplace constamment d'ouest en est autour du pôle, laissant ainsi les phoques se multiplier derrière lui. Les caribous. Ils empruntent des routes parallèles à celles de l'ours polaire et ils ne se rencontrent jamais. Les caribous des toundras, originaires de Sibérie, ont un sens de l'orientation très développé, ce qui leur permet de parcourir au printemps des milliers de kilomètres et d'arriver infailliblement sur les territoires où ont lieu les naissances.
Chez les Yakoutes, tribu esquimaux de Sibérie, on croyait que la nuit, les âmes des guerriers morts accompagnaient dans leur voyage les troupeaux de caribous. Toutes les baleines sont blanches quand on va au bout du monde pour les trouver. Sois calme, tout est là, comme autrefois. Écoute. Ours blanc, caribou, Ontario, beluga. Alors, j'ai vu un ciel tout nouveau, une terre toute nouvelle. Au-delà, très loin, les morses gigantesques. Les savants les nomment odobenidés, celui qui avance avec ses dents.